Lorsque tu fais des parcours accompagnés ou des programmes, quelle est la faute que tu observes le plus chez nos amis amateurs ? Je pense qu'il y a deux principales fautes. Il y a une première, c'est sur ce qui est de la préparation du coup et l'alignement des joueurs. C'est vrai qu'on voit souvent des amateurs alignés n'importe où et qui après se plaignent un peu de faire un coup qui ne va pas où ils veulent, mais c'est vrai qu'en général, ils sont quand même très mal alignés. Et ensuite, la deuxième faute que j'observe, et je pense que c'est une chose simple, c'est beaucoup de personnes qui ne tiennent pas du tout le finish. C'est-à-dire qu'ils tapent leur coup et qu'ils finissent complètement en déséquilibre et qu'ils peuvent se plaindre d'un gros slice ou d'un gros push. Et ça, c'est, je pense, une des priorités, c'est que voilà, prendre une décision et tenir le finish, c'est quelque chose qui va faire que même le mauvais coup sera un peu moins raté. Et ça, c'est une chose que j'observe assez régulièrement. Est-ce qu'il reste des coups difficiles à faire pour Romain Langasque dans le golf ? Alors, après, voilà, ça dépend vraiment de tout le temps. Bien sûr que tous les coups, même tous les coups restent difficiles quand tu es sous pression et que c'est un, même si c'est un putt de 20 cm pour gagner un tournoi, ça devient un putt difficile. Après, en général, le coup qui va redevenir vraiment difficile, ça va être la sortie de bunker de 60-70 mètres. Ça, c'est vrai qu'entre 40 et 70 mètres, c'est vraiment pour moi le coup le plus difficile du golf parce que c'est un coup où on ne peut pas mettre beaucoup de vitesse et où le contact est très dur à avoir parfait. Alors, tu fais aussi pas mal de préparation physique. Je crois que maintenant, c'est une donnée qui est intégrée à tout le sportif, à tous les sportifs de haut niveau et particulièrement dans le golf où pendant longtemps, le golf s'en est passé. Maintenant, c'est plus possible. Quels sont les avantages que tu en retires ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs branches de la préparation physique pour le golf. La première et la principale, je pense, pour notre sport, c'est qu'on est un sport qui peut durer longtemps, donc la prévention des blessures. Bon voilà, ça fait 5-6 ans que j'ai commencé la préparation physique très sérieusement et je ne me suis pas blessé depuis, donc pour moi ça c'est une priorité. Ensuite, il y a quand on regarde un Rory, un Dustin, un Brooks Koepka, il y a des mecs qui frappent très fort la balle et qui ont des parcours qui ne sont pas les mêmes du coup, donc le fait de frapper fort. Et ensuite, je pense que la préparation physique joue aussi sur le mental d'un joueur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bien préparé physiquement, sa préparation physique ne va pas le faire puiser dans ses ressources mentales. Donc ça, je pense que voilà, c'est pour moi les trois éléments les plus importants de la préparation physique. Alors tout à l'heure, tu me disais que tu faisais même du kickboxing quelque part et que le coup de pied du kickboxing t'aidait pour le passage des hanches. Donc on arrive à trouver des petits avantages aussi dans d'autres sports. Ouais, complètement. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer David, qui est mon préparateur physique, David Baudrier, et qui lui vient du MMA, donc de toute la réunion des sports de combat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, que ce soit dans un coup de poing ou dans un coup de pied, avec la rotation des hanches et puis aussi le placement. Il y a plein de choses qui sont super importantes. Et donc, c'est vrai que nous, dans la préparation physique, on inclut vachement ça. Et aussi l'explosivité, parce qu'un boxeur ou dans un coup de pied, il faut que ce soit explosif et il faut que la vitesse soit mise au bon moment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des similitudes de d'autres sports qui peuvent vraiment permettre à nous-mêmes de progresser. Donc soyez ouverts. Et puis on se défoule en même temps. Exactement. Alors maintenant revenons sur le circuit. Lorsque tu observes tout ce champ de joueurs dans une compétition, quelle est pour toi la différence entre ceux qui vont gagner et ceux qui ne gagneront pas, mais on va dire sur l'année, la vraie grande différence entre les joueurs. Est-ce qu'elle réside dans le grand jeu ou est-ce qu'elle réside dans le petit jeu ou ailleurs ? Alors, aujourd'hui, ça va être une question, je pense, qui va de plus en plus se généraliser sur, j'ai envie de répondre sur le joueur le plus complet, parce que un joueur qui tape mal le drive ou qui ne met pas bien en jeu, il ne va pas gagner le tournoi, et un joueur qui ne met pas de putt ne va pas gagner le tournoi non plus. Aujourd'hui, on est dans un monde où, ça m'est arrivé, mon année sur le Challenge Tour, de faire, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 5 fois mieux que moins 15 et de ne pas gagner un seul tournoi. Ou quand on voit Ross Fischer qui fait 3 fois mieux que moins 20 sur les 6 derniers mois et qui n'est pas un seul tournoi, aujourd'hui on ne peut pas se permettre de dire je vais m'appuyer sur mon putting ou je vais m'appuyer sur mon grand jeu. Donc moi je pense que la différence elle se fait par un joueur qui est très complet. Après il est vrai que le putting est une source pour moi
De morale. De morale. Mm. Dans le sens où une partie qui va mal se goupiller, où on va mettre des putts, et ben elle va permettre de rester dans le tournoi. Mm. Et les trois prochains jours, ou les deux prochains jours, si c'est le deuxième tour, mm. peuvent faire un très bon résultat. Alors que s'il y a un très mauvais driving, là, ça va devenir plus compliqué. Donc, je pense que vraiment, si on parle du joueur qui va gagner le tournoi, mm-hmm. maintenant c'est devenu une globalité, le mec est bon partout. Si on parle d'un compartiment qui va, moi je dirais, garder une dynamique, ça va être le putting, parce qu'un putt de 4 mètres qui va sauver un par, ou un putt de 5 mètres qui va faire un birdie, bah, c'est quelque chose qui donne une hargne et une envie de, bah, d'aller au prochain. Et donc, je pense, ça relance. Voilà, exactement. Ça relance. Alors, c'était pas prévu cette question, enfin c'est même pas une question, mais c'est juste une déclaration. Parce que, évidemment, tu sais que je suis dans ton fan club. Mm-hmm. Et dans toute l'année, j'ai pu suivre, quand j'avais du temps en priorité, tu es dans mes favoris. Donc, mm-hmm. Quand j'ai 5 minutes, je vais voir Romain. Je vais voir aussi Victor, que j'adore, tu le sais, mm-hmm. Dubuisson. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'année complète. Mm-hmm. C'est quand Bernard Langer est passé derrière toi, mm-hmm. et qui a dit. Il m'a impressionné. Ouais. C'est vrai que bah, d'ailleurs, ouais. Ça a marqué beaucoup de gens. Et puis même, il y a eu une phrase qui a été dite dans un des magazines américains, pas européen et pas français. C'est ses enfants ont dit que c'était la première fois que Bernard Langer parlait de golf et dans oui. un repas, oui. en parlant de moi et oui. mon jeu. Donc c'est oui. vrai que c'est des choses qui sont bah, des gros compliments et qui me font bah, me dire que je suis dans la bonne voie. Après, voilà, ça reste... Enfin, pour moi, c'est pas du concret. Voilà, le concret, c'est moi-même et le résultat que je vais avoir. Mais après, c'est vrai que ce genre de compliment, ouais. c'est un sacré encouragement. Exactement, un sacré encouragement. Et c'est aussi voilà, un peps en plus qui me donne envie d'y aller et de réussir. Alors, je l'avais rencontré, moi, quelques années auparavant aux États-Unis parce que j'ai joué dans son club pendant pas mal de temps. Et puis, un jour, il est venu me voir. On a discuté 5 minutes et je lui ai dit, mais... Bernard, je voudrais vous poser comment vous faites pour être aussi régulier de passer tous ces cuts? Parce que c'était une période où il en avait passé, je crois, 70. Okay. Il avait de suite, il avait le record total. Et la réponse était déconcertante. Il m'avait dit, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Ouais, ouais, bah. C'est tout, voilà, il n'y avait rien de... Ça va avec le personnage, enfin, franchement, ouais. moi, il m'a impressionné. En plus, ouais. j'ai eu de la chance parce que l'année du Masters, il a failli gagner, entre guillemets, il était leader après 3 mmh. tours. Mmh. Et quand tu vois que moi, je lui mettais 40 mètres, mmh. puis bah, le mec, il était là, puis tu sens que c'est le mec qui se bat avec ce qu'il ouais. a en fait, et c'est ça l'essentiel. Alors Romain, maintenant, ce que tout le monde attend, est-ce que tu peux nous décrire ton swing? Oui, avec plaisir. Pour moi, les choses les plus importantes, ça va être, pour commencer, un bon grip, une bonne posture, un bon alignement. Ça c'est, bah, moi j'ai la chance de m'entraîner avec Benoît du Colombier, et c'est vrai que c'est sa priorité à lui, chez ses joueurs, quelconque que soit le joueur, c'est d'avoir ces bons basiques-là. Donc, chaque fois que je vais arriver sur un practice, je vais préparer ma routine avec me concentrer sur avoir un bon alignement, un bon grip et une bonne posture. Ensuite, ma deuxième clé après tout ça, ça va être de mon démarrage, en fait, ce qu'on appelle le takeaway. Moi, je suis très concentré sur mon takeaway. En fait, cette partie-là du swing, c'est pour moi ce qui va me faire faire un bon ou un mauvais swing. Donc, après, à partir de ce moment-là, je pense vraiment à mon coup et à ma cible. Je ne suis plus du tout concentré sur est-ce que je vais être bien là, là ou là. Voilà. J'arrive, je me mets là, un bon grip, une bonne posture, un bon alignement. Et ensuite, vraiment, c'est le takeaway qui est là. Ensuite, si jamais vraiment je suis pas dans une bonne journée et je me sens... Enfin, moi, être pas dans une bonne journée, ça va être par rapport à mon rythme. Donc... Si jamais je sens que je suis pas dedans, que j'arrive pas à trouver mon rythme, je vais faire tout exactement pareil. Sauf que quand je vais être là, je vais rentrer dans ma tête un peu comme un aller-retour, 1-2. Sauf que moi, je vais appeler ça back et hit. Ça va être back, le backswing. Et en fait, il faudrait que j'arrive à mettre le hit sur la balle. Et ça me permet en fait de penser à autre chose qu'au coup, qu'au mauvais coup ou qu'à mon rythme. Parce que quand je suis dans une mauvaise journée ou dans un mauvais rythme, on est en train de penser tout le temps aux choses d'une au mauvais coup ou ensuite... Allez, là on essaie de monter doucement, on essaie de monter plus vite. Donc ça c'est quelque chose qui me donne vraiment un rythme où je suis sûr de reproduire deux fois la même chose. Si je devais, je pense, résumer mon swing facilement, je pense que c'est compact, rapide et naturel.